Dès 1928, l'armée japonaise développait des chars amphibies et créait plusieurs modèles expérimentaux, tels que le véhicule blindé amphibie Sumida, AMP, SR Aego, SR2 Rogo, SR3 Hago, qui n'étaient produits qu'en tant que prototype unique pour les tests de concept dans les années 30. Chacune des séries SR était composée de chars amphibies entre 3 6 et 7 tonnes, avec un équipage de 2 à 3 hommes, et armé de mitrailleuses. En 1940, la marine impériale japonaise a repris le développement des véhicules amphibies. Mitsubishi a utilisé les connaissances acquises suite au programme SR et au char léger type 95 Hago comme base. Le type 1 Micha, type 1 Floating Tank Kami, a été le premier prototype produit. Le type 1 a conduit au développement du type 2 Kami, étant produit en 1942. Le type 2 Kami a été conçu pour les forces spéciales de débarquement naval de l'IGN pour invasion amphibie des îles Pacifiques sans installation portuaire nécessaire et pour diverses missions d'opérations spéciales. À partir de 1942, environ 184 unités de ce char ont été construites. Sa tourelle était équipée d'un canon de 37 mm et d'une mitrailleuse légère coaxiale. Une deuxième mitrailleuse légère était située à l'avant du char. Le char était capable d'atteindre la vitesse de 10 km/h dans l'eau avec une autonomie de 140 km, grâce à deux hélices situées à l'arrière de la coque, propulsées par le moteur du char. La direction était sous le contrôle du commandant de char, qui actionnait une paire de gouvernails depuis la tourelle à travers des câbles. L'équipage comprenait un mécanicien à bord. C'était le char amphibie le mieux conçu à cette époque. Le type de Kami est entré en service actif après les campagnes initiales de la Seconde Guerre mondiale. Et il était donc en grande partie trop tard pour être utilisé dans sa mission de conception originale amphibie. De nombreuses unités ont été affectées à des détachements de garnisons navales dans les mers du Sud et dans les Indes orientales néerlandaises. Le type de Kami a été utilisé pour la première fois au combat à Guadalcanal à la fin de 1942. Plus tard, ils ont été rencontrés par le corps des Marines des États-Unis dans les îles Marshall et les îles Mariannes, en particulier sur Saipan, où ils ont soutenu les forces navales spéciales de la base de Yokosuka lors de l'échec de son opération amphibie. Ils ont également été utilisés pendant les combats sur l'île philippine de Leyte à la fin de 1944.
une petite quantité de type 2 ont été capturés par les troupes de l'armée américaine sur Luzon en 1945, ainsi que plusieurs autres capturés par les troupes australiennes et du Commonwealth. Le type 4 Kenu était une alternative du type 95 à Go. Le type 97 Chi-A original était armé avec un canon de 57 mm à faible vitesse initiale. L'expérience opérationnelle contre les soviétiques lors de l'incident de Nomonhan à l'époque des conflits transfrontaliers entre soviétiques et japonais en 1939 a révélé que ce canon était insuffisant contre les chars ennemis. Et ainsi, le canon anti-char type 1 de 47 mm a été développé, possédant une plus grande vitesse à la bouche. Celui-ci a été installé sur le type 97 Chi-A avec une nouvelle tourelle pour produire le type 97 Chin-Oto Chi-A. Ainsi, un grand nombre de tourelles de type 97 Chi-A étaient abandonnées. Elles seront plus tard installées sur le châssis de l'obsolète type 95 AGO, dont le résultat sera désigné comme type 4 Kenu. Le rééquipement a fait diminuer le problème de l'exiguïté de la place dans la tourelle pour l'équipage. Auparavant, une tentative d'amélioration de la puissance de feu du type 95 AGO a été avec un canon de 57 mm dans une tourelle modifiée avait été tentée. Ce prototype était connu comme le type 3 Kerry et il ne passa pas l'étape des essais de 1934. Environ 100 unités ont été converties en type 4 Kenu durant 1944. Uniquement un type 95 AGO avec une tourelle de type 97 Chi-A, le type 4 Kenu avait une puissance de feu légèrement mieux. Mais le rééquipement a augmenté le poids du char à 8,4 tonnes, réduisant la vitesse maximale à 40 km par heure. Étant donné que la nouvelle tourelle avait un blindage plus épais, il a fourni à l'équipage une protection supplémentaire, mais n'a pas atténué la plus grande faiblesse du type 95, le blindage trop faible du châssis. Et la tourelle pouvait être pénétrée par les canons de 37-75 mm et de 2 livres des chars alliés. La conversion de 1944 était trop tard pour faire un quelconque impact sur les opérations de combat japonaises. La plupart des Type 4 Kenu ont été retenus dans les îles japonaises en prévision d'une invasion américaine. Certains ont été affectés à des unités en Corée et en Manchukuo et ont vu de brefs combats contre les forces soviétiques durant l'invasion de la Mandchourie. Un des types 4 Kenu survivants a été capturé dans le Manchukuo et a été exposé à Moscou au musée des blindés de Kubinka.